Allez, on est reparti pour le dernier DLC! Et je suis avec Léon en vocal. Et du coup, on va faire le meilleur DLC de Dark Souls 2. Alors, c'est pas pour autant qu'on fera le boss optionnel, parce que autant je dirais pas non à le faire, autant c'est le cancer à y aller. Oui, je viens de voir, il y a Jojo. L'anti-chaos. Ah, il y a la braise du chaos là-dedans. Attends, je la veux, je la veux, je la veux. Non, c'est pas ça. Ah oui, à gauche, je crois que c'est le boss. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que Léon était en vocal. Bonjour. On l'entend pas trop. Bah, je peux monter le micro, éventuellement. Je peux le monter un petit peu. Bon, je peux pas le monter plus. Tu me diras s'il y a une différence. Après tout, c'est pas lui la star. C'est ça. Aïe! Eh, ça fait mal! Ça fait bobo, monsieur. Mais j'ai déjà de la fourrure sur le dos. C'est bon, j'ai la tenue adaptée. J'ai récupéré toutes les magies des DLC qu'on a fait aussi. Du coup, il n'y a que celle de celui-là qui nous manquera. Ouais, des armes de basiques mais avec des niveaux. C'est vachement utile. Alors que normalement j'ai déjà mes armes plus 10. Avec des matériaux farmables. C'est... on veut l'objet, on veut l'objet. Ok. Il fallait que je continue, que j'avance de façon continue pour que... Enfin... C'est ça. Ah d'accord, faudra attendre que ça dégèle. Alors je crois que les espèces de sorcières, elles s'animent pas tant qu'il y a le froid. Aïe. C'est ça. Bah, une lance d'âme plus deux attaques physiques. Après, Kenner, c'est juste un château dans la neige en soi. Petite bardane bleue. Ah non, faut 3 milliards de stats pour les porter, c'est bon. Je crois qu'il faut 42 forces, 32 dex, ou un truc dans le genre. Meurs. Mais il me semble que... Enfin, au moins pour la double... Je sais plus, mais il me semble que ça demande énormément de dex. Voilà. 10 de dex. C'est combien de force par contre? Combien? 40 par épée! C'est ça. Voilà, donc il faudrait 80 de force, c'est mort. Hein.
Ah non, 40. Non, mais je t'ai demandé par épée. Ah oui, non, mais du coup, ça serait 60, mais voilà, ça reste beaucoup. Oui, non, j'ai mal calculé, c'est bon. Non, il n'y a rien là, ok. Ah. On va utiliser une gemme, hein, parce que là. No dogs allowed. Pour moi, c'est un chien, mais. Il y en a des sorcières dans cette place. D'accord, il y a des sbires. Je sais pas ce qu'ils foutent là, mais ils sont là. Je vais pas descendre tout de suite. Moi, je me souviens quand même de ce moment-là, il a quand même fait Dark Souls 3, puis le 1, puis le 2. En stealth. Puis j'ai arrêté Dark Souls 2, puis j'ai fait Demon's Souls, puis j'ai fait. Non, puis j'ai fait Bloodborne, et ensuite j'ai fait Demon's Souls. Et ensuite j'ai repris le 2. Oui, ah oui, non, oui, ça, oui. C'est quoi ça? Ah, ça c'est pour aller voir les doubles chats. Ouais, on n'y va pas. Ah, mais il y a quoi là-dedans, du coup? Je suis jeune. Ouais, mais c'est pas ouf. Parce que là, du coup, j'avais pas découvert cette zone là quand je l'avais fait à l'époque. Attends, non, là c'est de là que je viens. Du coup, on a regardé là, ouais, ok. Et là, il y a quoi? Ah, c'est là qu'il y a le feu. Oui. Bah, attends, on va aller voir là alors. Non, mais il y a des trucs. Alors déjà, j'ai pas forcément tous les souvenirs, mais il y a aussi des trucs. Ah, il y a forcément des zones que j'ai pas vues à l'époque. Mais ça sert à rien de venir là. Ça sert tellement à rien. Ah! Non, attends. Non, c'est de là que je viens là. Non, oui, voilà. Il y a quoi par là? En garde, Crystal Man! Waouh, tout ça pour un vieux casque. Ça valait le coup? Mais bon, voilà, le truc Celui c'est. qu'il a découvert, c'était le premier. Bah, c'était celui de poison, bah, celui de la dernière fois, ouais. On va aller voir le ch'tifeu de camp. Ah, ouais, non, mais oui, moi j'ai deux Dragon Slayer. Hein. Et c'est vraiment des Dragon Slayer parce que la dernière fois j'ai buté un dragon avec. Attends là, parce que j'y vois rien. Avec le brouillard, c'est compliqué d'y voir quelque chose.
Ah oui, il faut monter. Bonjour madame en blanc. Je le fais pas, hein, si si. Aïe. Aïe, vous faites mal. Le talisman de Lloyd. Le petit backstab des familles. Ça sert à quoi d'ouvrir cette porte? C'est un raccourci? Non, c'est juste la suite, d'accord. Je vais juste aller voir. Ah, ne souffle pas de ce côté. Ça servait à quoi de fermer la porte avec une avec un la porte l'espèce de grosse porte. Enfin. J'ai souvenir qu'il y avait une il y avait un truc pute dans le. Verrouillef. Alors là, c'est pour aller au double choc. Ah! Oui, d'accord. Donc tu peux pas ouvrir la grille, je crois. Non. Alors là, il y a des. J'aime bien le jeu qui te spoil. Ça, ça sera une mimique! Tu entends? C'est une mimique! Je sais pas si t'as remarqué, c'est une mimique! Et Léon, tu savais que l'armure d'obsidienne? Alors je crois qu'il y a un raccourci ou un feu pas loin. J'ai souvenir de m'avoir trop souvent retapé la zone. Ou un truc dans le genre. Bonjour. Comment allez-vous? Du tout à quoi ça sert ça. Ça doit servir à débloquer un chemin. Bonjour. Il sert à quoi, cet ascenseur? Je sais pas, mais il doit débloquer un truc en bas en fait, je pense. Ouais, mais... Non, si, je crois qu'il est devant une porte en fait à la base. Enfin, je sais plus, mais il y avait un truc. Ça débloque quelque chose, mais je me suis là dans les médias, je sais plus. Ah, alors le truc c'est que je sais plus lequel c'est la suite, lequel c'est pas la suite. Ah oui, l'espèce de magie qui passe à travers le mur.
J'ai beaucoup apprécié le fait que tu ne te prennes pas mon attaque. Là pour le coup j'ai deux chemins possibles et je sais pas du tout lequel est la suite et... Merde. Je viens de tomber. Abruti. Je crois que c'est la suite. Allez-vous-en. Ne trouve pas de ce côté. Bon, alors on va en haut. Œil de la prêtresse. Alors, il y a toujours le brouillard parce que c'est la reine qui l'enlève. L'œil me va me permettre de voir le chat, surtout. C'est ça, c'est tu m'avais fait l'erreur la première fois que je l'ai fait, et du coup, je te disais, mais non, mais j'ai toujours le brouillard, moi. Ouais, j'ai enfermé un malheureux dans ma cave. Bonfire! Ah, de toute façon, c'est pas lui qui est important. Nique ta mère. Le sbire qui était en haut, il en a juste rien eu à foutre. Bah écoute, là, si tu veux pas que y ait ce genre de problème, tu offres un boîtier d'acquisition à son malade et tu en as parlé un peu. Je sais que son malade ça compte. Ah oui. Je vérifie toujours s'il n'y a pas un coffre. Ah, ça va être génial de le repasser par là avec le golem et tout. Ah bah, ils viennent tous se mettre sous mon épée. Bon alors, déjà, vous vous calmez. Calmez-vous! Oh putain! Ah oui, la magie qui passe à travers le mur, oui, c'est vrai. L'esprit sombre, oreille le paladin vous envahit. Ah là là, on me dit qu'il y a un envahissement. Aïe, ça fait mal. Oups. Et hop là. De qui? Bah Cloud. Lui déjà il porte son épée que une par une et en plus il la change au cours du jeu. Oui, il la garde même pas. Bon bah là c'est bloqué. Ah là là, mais je n'ai toujours pas vu la trace de mon envahisseur. Mais où est-il donc? Je sais qu'il est là.
Oh, il me copie! Non, il soigne! Oui, mais c'est ça, c'était la synchro ultime. Ah, c'était pas le PNJ que je pensais. Putain, ça veut dire qu'il... Attends, oui, c'est vrai, il y a 3 PNJ dans ce DLC. Et oui. Il y a lui, il y a celui qui se fait passer pour un pote alors que tu... T'as invoqué personne, donc ça peut pas être un pote. Et il y a le magicien sur la dernière ligne droite avant le boss. Le magicien qui s'est tout fait. Oui, aussi. Ah non, donc non, du coup, il y en a 4. Il y a un autre magicien, alors le qui est moins chiant quand même. Mais qui se cache derrière les mobs. Ouais, c'est il est moins chiant, mais voilà. Ah, on peut invoquer quelqu'un. Ellie, cœur d'acier, d'accord. Alors, on va juste retourner au feu. Alors, le chat en soi, il est pas compliqué, c'est juste que... je peux totalement mourir comme un caca parce que je fais de la merde. Hein. Encore une marque. Glancourt, les rangs. Oh, c'est un chevalier royal. Bon, alors il a une tenue légèrement différente parce que voilà, mais sinon. Ok. Allons-y. Beauté des culs, c'est ma passion. Come here. Viens Tigrou, affronte-moi. Non mais si tu fais tout le temps. Et il me fait Ice Tempest. Oui, les speedrunners ils font ça sans voir le boss. Genre j'ai esquivé. Ah oui, avec la gauche cette fois. Ah oui, tiens. J'avais jamais fait gaffe, pour moi il était juste blanc en fait. Alors. Oui, 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 oui. Ok, le boss avec... Oui, il a fait aggro-grou, ça m'a fait des dégâts. C'est pas un boss compliqué, mais si t'as pas le timing, tu peux facilement faire de te prendre... Genre, bah j'étais pas à côté là. Et voilà. À glouglou. Et voilà, toi tu fais à glouglou, moi je suis à glouglou. Églou, églou, églou. C'était contre Manu ça. Églou, 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 églou. Et le mec, mais arrête de te soigner! Bah, toi, arrête de m'attaquer! Et qui a bouffé toute
J'aurais eu le pendentif, j'aurais pas eu besoin, mais voilà. Alors, je vais juste me reposer. Ah, j'aurais dû peut-être aller. Faut pas oublier d'aller parler à la reine. Non, mais oui, bah sinon il y a pas de suite, de toute façon. D'ailleurs, en soi, tu peux directement finir le DLC là. Oui, bah alors je fais pas par contre le roi d'ivoire avec un seul chevalier, hein, c'est mort. Non, mais c'est possible. C'est, alors, je sais, les speedrunners le font, mais pas moi. Je suis pas speedrunner. Non. Ah, Nanosaki, salut! Elle me redit la même chose. Il me semble que j'ai trois chevaliers à trouver, c'est ça? Ah non, mais double Great Sword, tu peux pas tester, hein. Alors, déjà, on prend ce coffre-là. Bouclier Calice. C'est le bouclier qui te permet de respec, lol. Mais non, je fais l'œil de Tales of Symphonia, mais avec des grosses épées. Ouais, non, parce que voilà. Je vais faire 3 levels. Bon, alors, on va à 50, et puis après. Après, je sais pas. Bah, y a un moment où ça va arrêter de monter. C'est quoi le hard cap? Ouais. Histoire de botter encore plus de cul. Alors. Alors déjà, je crois qu'il y a un chevalier qui est juste à côté. Je crois que oui, justement. Le truc c'est que il me semble que j'en avais trouvé deux et en fait j'avais cherché où était le dernier. Je trouvais pas. Je suis allé voir sur le net. Il est juste à côté de la salle de la reine. Et j'ai fait Are you serious, bro? Ah, ne trouve pas de ce côté. Bon, bah, de toute façon ça c'est fait. Ah bah déjà c'est mieux quand il n'y a pas de brouillard. Hamster Rings, cours! Alors, je vais me reposer au feu. Ouais, non, je vais pas me reposer au feu qu'il y a juste avant. Au pire, je m'y retole les portraits, c'est pas grave. Yudai? Viens par là, toi. Ça pique.
Non, Léon, tu vois là où je suis, enfin, tu vas le voir, c'est là qu'il y avait le truc qu'on a monté avec l'ascenseur, et en fait, ça bloquait l'accès à un coffre. Ça bloquait l'accès à un coffre, en fait. Ah bah si, parce que c'était l'une des magies du jeu. Du DLC, donc on en aurait été obligé de le faire. D'accord, le set de garde nord. J'imagine que ça doit être la tenue blanche des espèces de sorcières. Je vous encore de Dark Souls 1. Parce que pour descendre une échelle, c'est d'appuyer deux fois sur rond. C'est ça. Alors les espèces de sorcières en blanc, faut vraiment les buter dès que vous pouvez. Parce que si elles vous attaquent dans le dos, elles vous font une. Elles vous assassinent en fait. Littéralement. Donc, et souvent elles sont cachées derrière. Enfin, pas forcément derrière le décor, mais. Le jeu va volontairement essayer de les dissimuler pour pas que vous les voyez du premier coup d'œil. Alors là, il n'y en a pas. Je crois que ça va être le bon moment pour illustrer parce que. Alors. Voilà, genre là. Vous la voyez pas. Voilà, vous avancez tranquille et puis après, bah, vous prenez un attaque dans le dos. Oui, prends l'objet s'il te plaît. Bâton de serviteur. Voilà, là pareil, sur la droite, il y en a une. Alors, ce qui va être chiant. Ça pique. Ah, j'ai horreur de ça. Alors, caméra! Non mais c'est ça. Rapière de glace. Non, il y avait rien. L'autre, il essaye de me canarder de la distance. C'est le principe de canarder. Ta gueule. Je me disais, il devait y en avoir une autre dans le coin. Il semblait qu'il y en avait deux dans la zone. Oui, exactement. Canarder, c'est attaquer un ennemi en utilisant un canard. J'imagine les gens envoyer des canards sur les gens. Hein, en fait, tu envoies Canarman, en fait, c'est ça le truc. Tu vas mourir. Tu vas mourir, Klingo. Il n'y en a pas là. Je fais bien le tour histoire de pas oublier une grognasse qui pourrait nous backstab. Ouais. Drift Duck. Oula, c'est du très haut niveau, je sens. Dis toujours. Un tanard. Oui, non, je la connais déjà. Je la connaissais déjà. Alors, j'ai tendance à l'oublier, mais oui, bah oui, qu'est-ce qui fait toi, toi, un tanard. Là, mais oui. Oui, alors non, c'est ça, c'est. Je pense que je pourrais bien m'entendre avec ton père parce que on a le même genre d'humour de merde. Ouah! Non, 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 on se casse, on se casse, on se casse. Les hérissons. Donc ça veut dire c'est la suite. On n'y va pas. Mais pourquoi on n'y va pas? Peut-être parce que c'est le cancer.
Alors oui, je sais, mais je vais d'abord fouiller la zone qu'on avait, qu'on a accès actuellement. 5 U5. Bah, on va quand même fouiller, c'est pas grave. Puis au pire, ça fera des mobs en moins. Alors. Sérieux? Excusez-moi, messieurs, hein, j'ouvre la porte. Hein. Merde, 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 merde. En train quoi? Un éléphant d'Asie, un éléphant d'Afrique. Je sais pas. 3000 km. Oui, 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 bien sûr. Bah oui. Doshta. Bah là, c'est là où on était. Oh merde. Quoi? Aïe. Ça pique, monsieur. Je sais pas. Oh putain. Oh oui. Ah oui, quand même. J'avoue que je l'aurais pas vu venir. Ah oui, ils sont tout verts. Calice dame. Bon bah ok, si on a besoin de respect, voilà. J'aimerais bien pouvoir respect dans Dark Souls 1, mais bon, c'est pas possible. L'âme jumelle de sorcier, on s'en bat les couilles. Y'a pas une magie dans l'eau? Non, d'accord. Deux bénédictions divines. D'accord. On lui dira. Pé, 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 pé. Quand un minable s'attaque à un autre minable. Ah, elle est bien mal, elle est pas mal, j'avoue. Ah non, mais j'aime bien, moi, c'est ce genre de blague de merde que j'aime bien. Ah! Alors, par contre, il y a les trois sorcières qui se sont réveillées en même temps. Ah, 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 laissez-moi en paix! Surtout que, ouais, d'habitude, elles attendent que je les dépasse. Tu sais, pour m'attaquer dans le dos. Là, non. Là, ça, apparemment, je suis sorti de leur zone d'aggro. Un quoi? Un diabolo. Je sais pas. Parce que les diabolos mentent. Non, je voulais pas fermer. Je pensais qu'il y avait un objet. Ah, tu l'as fermé d'accord? Oui. Mais... Je me suis cru dans Hunting Ground. J'ai fermé la porte comme ça. Comme ça, elle va pas pouvoir me suivre ou alors je vais l'entendre ouvrir la porte. C'est littéralement ce que tu peux faire dans le jeu, hein. Non mais c'est bien pensé. Est-ce que tu la connais celle-là? Est-ce que tu veux une blague à deux balles? Vas-y. Ah ah. Bah là de toute façon y'a rien. Tu connais le principe de la blague qui tue? Ta gueule. Ce sera chaud. Oui voilà. Ah non oui non là c'est pour la zone annexe qui ça. Donc on fouille tout. C'est pas mort aussi, tu
Putain, c'est juste. Alors non, le mauvais goût on va éviter, surtout le sur le stream. Hors stream peut-être, en stream on va éviter. Bon ça va, les sorcières elles ont quand même pas, elles ont pas de vie quand même. Vas-y. Parce que Julien le perce. Je l'avais déjà entendu, je crois. Je sais pas. Parce que dans l'eau minérale. Voilà, sortir de rire. C'est pas faux. En fait, ce stream est pour renouveler les blagues pourries. Ah oui, l'autre il m'a une canard depuis sa salle. Depuis son QG aux Bahamas. Qui rit? J'entends quelqu'un rire à côté. Je crois que c'est le mec là. Mais lui il est tellement facile à backstab, ça veut rien dire. Ah. Ah, Elix dessine des trucs. Vivement le retour des Alex explique des runs. Oui aussi mais t'étais pas là toi avant. Ah il insiste. Ah Espadon plus 10 est ta critique. C'est lequel par contre? Est-ce que j'ai une poudre de réparation? Ce n'est point dit. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble en plus. Ah j'en ai. Ah oui pff, j'en ai 20, oui bon ok. Je vais en utiliser une deuxième. Surtout que là on va affronter une mimique. Est-ce que tu connais le nom du saint patron des... Vas-y. Le pire c'est que ça te fait rire. Non mais oui mais c'est juste trop con. Mais le pire c'est que c'est logique. Alors normalement il y a qu'une seule mimique mais je vérifie quand même sur tous. Normalement d'ailleurs cette mimique va me donner un symbole d'Averis. Putain ça se voit tellement. De quoi? Ah, tablette titanite, ok. J'ai touché de la mimique. Ah non, bah c'est armure de Katarina. Ah, il me semblait que t'en avais qu'une. Ouais, bon, c'est bizarre. Bon. Ah oui, non, oui, bah non. Je crois qu'il y a une mimique par DLC pour tous les morceaux, un truc dans le genre. Pour le set de Katarina, oui. Oui, 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 oui. Je sais pas. C'est juste con, putain. Y'a rien devant. D'accord. Ça sert juste à rien cette baliste. Elle sert à rien.
Non mais oui, ça vire des caisses, mais à part ça, y a rien. Alors là-bas, j'avais été. Alors par contre. Ouais, y a un monsieur avec une énorme épée. En tenue de chevalier d'élite d'ailleurs. Je m'attendais à mieux. Non mais. Tu crois que je te vois pas toi derrière ta baliste à m'attendre? Il attendait bien que je sois devant pour me l'utiliser. Allez tiens, j'ai 3000. Il y a 3 milliards de. J'ai 3 milliards de pierres de Pharos, je peux voir ce qu'elle fait celle-là. Ah. Je voulais voir si juste rouler dans le truc ça passait. Non. Spoiler non. Je sais pas. Un magicien. Chapeau de Durgo, d'accord. Ça va le coup. Pierre de Pharos pour un chapeau. Ouais. Je me serais attendu genre, bah c'est une des magies du DLC. Je sais pas. On n'est pas descendu tout à l'heure, je crois. Aïe, ça pique. Alors. Non, si vous pouviez éviter de vous barrer aussi quand je vous frappe. C'est vraiment le genre d'ennemi que je peux pas blairer, c'est les ennemis qui se barrent. Ta ta ta. Ah non, c'est bon. Je sais pas. Un site archéologique. T'es con, putain. La réaction. Je suis pas descendu moi la dernière fois. Ah, on peut monter. Toujours plus haut. Ah. Il y a une porte. Ah, raccourci. C'est bon ça. Oula. Je vais vérifier quand même. Je crois qu'on peut faire, on peut se tomber sur quelque chose. Où... Il n'y a pas un item à récupérer comme ça d'ailleurs. J'ai vu une plateforme, mais. Alors, tu trouves ce que tu cherches ? Alors il y a une plateforme là, mais on peut pas y aller. Non, mais je regardais, il me semblait qu'on pouvait se laisser tomber pour récupérer un item, mais pas du tout. Ça doit être, oui, ça doit être un autre. Ouais, ah oui, il y a plusieurs étages, c'est pour ça. Bonjour. Je préfère ceux qui n'ont pas de bouclier. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de bouclier. C'est logique. Bonjour. Comment allez-vous? Aïe. C'est saut difficulté. Ah non, mais bulle de force, généralement, oui, tu bottes des culs. Hein. Ah, par contre, voir les objets, les ennemis comme ça qui drop des objets, c'est compliqué. Parce que du coup, t'as une lueur bleue sur un corps bleu. Anneau de résistance plus 1, ok, pourquoi pas. Si tu le dis, Roger. Alors,
On va faire. Attends, y a quoi en dessous? Y a rien, ok. Alors je sais que derrière moi y a des chiens. Ah bah alors là, je ne l'ai pas vu venir, dis donc. Moi j'utilise pas mes deux, les deux. Herbe de brûlante fanée. Par contre, je savais pas que Brunante faisait pousser de la beuh. Hein. Well, hello, doggy! Genre! Oui, c'est les emotes de sub qui apparaissent pas. C'est ça. Non, je l'ai pas, forte hype. Je sais pas qui. Ah! Alors, on va voir Miss PNJ. Alors, il y a un PNJ qui va arriver, qui va être chiant parce qu'en fait, il se. À partir d'un. En fait, il se cache derrière les ennemis. Et pas n'importe lesquels, c'est les gros. Ah! On est à côté. Oui, on est à côté du retour. Oui, ok. Donc, ce sera simple pour revenir. Bon. PNJ. PNJ. Donna, la sorcière exilée. Aïe. Voilà. Voilà, le truc c'est que du coup elle se cache derrière lui. C'est bon. C'est bon, je les one shot. Eh bien Donna, qu'on a plus de bouclier. Aïe. Non, merde. Non. Le truc, c'est qu'elle m'a balancé un maléfice qui m'a quasiment tué. Je me suis dit, allez, je vais tenter un rush. Et le truc, c'est qu'au moment où je la frappe, et ben, elle me fait un petit sort qui m'a enlevé juste ce qu'il me fallait. Alors, ça va, si je dis pas de conneries, je sais plus par où on passe par contre pour aller là-bas. Je vois où est le raccourci, mais c'est près de la flamme où il y avait les yeux de prêtresse, mais je sais plus comment y retourner. Donc je sais où c'est, mais pas totalement. Ce qui est un concept. Je sais plus si je peux retourner à pied ou faut que je passe par un feu. Ah non, ce PNJ m'avait cassé les couilles déjà la première fois. Non, il y a deux PNJ chiants dans celui-là. Il y a elle. Et il y a un autre PNJ qui a tous les sorts du jeu. Il a de la pyromancie, il a des miracles, il a des maléfices, il a des sortilèges. Ah, c'est parce qu'on tombe en haut, je crois. Ouais, bon, attends, je vais me téléporter. Alors, oui, j'aurais pu me téléporter depuis le feu de la reine, mais le truc, c'est que je savais plus comment si je pouvais y aller à pied. Spoiler, je peux pas. Alors, je crois que c'est du rempart intérieur. Alors là, c'est le chemin pour un chevalier. Il y a un deuxième chevalier, du coup, c'est par le chemin avec les hérissons. Le troisième, je crois qu'il est via, je crois qu'il est via la porte qu'on peut pas ouvrir chez. Comment elle s'appelle? Oui, il y a des hérissons. Sonic! C'est un peu ça. Je disais, du coup. Et du coup,
Du coup, il doit y en avoir un par le chemin qui est bloqué, par la porte fermée qui est à côté de l'arène, mais je sais plus c'est quel chemin ça. Je sais plus par où on y accède. Alors, par contre, on va récupérer les âmes parce qu'il y avait un peu 57 000 âmes dedans. On va renvoyer l'ascenseur, tiens d'ailleurs. Non, oui. Bon, au moins je sais où c'est. J'hésite à rusher tout court d'ailleurs. Voilà. Pff, les PNJ de toute façon ont pas beaucoup de défense. Je sais même pas pourquoi. Bon là ça va être le chevalier des Zodiacs. C'est ça. Ok. Ça fait un. Oui. Bon. Wow. Alors, on va se re-TP. Majula, je vais dépenser mes 60 000 âmes. On va faire le chemin des hérissons. Parce que du coup, je sais que le. Bah, il y a un chevalier au bout. Alors, par contre, le troisième, je sais plus du tout où il est. Je sais par où on, par où on arrive pour le retour. Ah, je peux faire qu'un seul niveau. Deux, genre, il manque 10 000. Bah, tant pis. J'ai 77 gemmes, c'est bon. Alors, le chemin le plus court. Bah, le chemin le plus court, je crois que c'est le premier feu. Hein, pour aller jouer au hérisson. Ah non, mais les Sonic Tanner, c'est vraiment, c'est comme des roues squelettes, mais en pire. Et surtout que bah si tu te prends tous les dégâts, bah tu meurs. Parce que souvent, une roue squelette, bah même si tu te prends tout, le truc c'est qu'elle va finir par te dépasser un moment. Et à part que si t'es contre un mur, et là par contre tu prends la douille. Oui, et je fais pas la phase sans tous. Hein. Ouais, mais même. Non, mais c'est pas le problème, c'est que ça fait moins d'aggro pour les mobs. C'est surtout ça en fait. Non, non, j'aurais un build plus rapide, je dis pas, mais là, c'est pas... Non, là... Après, je trouve que c'est un des boss qui est les mieux faits du jeu. Ah, moi, ce qui me dérange, c'est vraiment la phase avec les espèces de chevaliers de Loïs, mais noirs. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, ça rentre dans ce que je reproche... alors, ce que je reproche. Disons que c'est toujours mieux fait que dans le 1. Parce que dans le 1, difficulté, ah bah, c'est une condition externe. C'est pas le boss qui est dur, c'est...
Alors que là, tu peux dire, bon bah, c'est les chevaliers qui sont durs. D'ailleurs, je vois pas pourquoi je me casse. Ok, il y a Forlorn qui vient. Alors, Forlorn, numéro combien? Ah, Forlorn numéro, nique ma mère. Ouais. Putain, le temps que je me... Putain, le temps que je me rétablisse de mon attaque, c'est ouf. Alors, putain, la faux, j'ai vraiment du mal. J'ai rêvé ou il a fait une roulade alors qu'il avait loupé son attaque sautée. Il a fait une roulade en plein saut. Oh, backstab de Forlorn! Les backstabs c'est buggé de toute façon. Voilà, appuie Forlorn. Il fait... C'est surtout que... Ouais, non. C'est surtout que le moveset est pas habituel. Bon, je pense qu'on va rusher carrément plutôt que me casser le cul à faire les ennemis. De toute façon, il y a un ascenseur à la fin. J'ai juste des petites pauses pour récupérer l'endu. Je repense à ta valague, qu'est-ce qui fait toin-toin, parce qu'on est dans la même zone quand tu me l'as posé. Tout le monde descend. Y'a un truc en dessous ou pas? Non, y'a rien. Alors... Il n'y en a pas un qui a disparu. J'ai totalement fait un assaut suicide. Hein. Ah, on arrive au fameux PNJ. Vous savez, monsieur PNJ, j'ai tous les sorts du jeu. Des hérissons saniques. Alors, je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont pensé quand ils ont fait ce PNJ. J'ai l'impression qu'ils ont réduit leurs dégâts aussi. Alors. Ouais, mais ouais, j'ai l'impression qu'ils sont moins cancer parce que là, je sais pas, ils ont moins tendance à te rouler dessus, littéralement. Nicolas le sombre. Salut là-haut. C'est Nicolas sombre. C'est ça, c'est Nicolas avant de devenir fou. Oh. Oh, on retourne en arrière, au moins le temps de se soigner. Alors je lui ai fait mal, alors la barre aussi que pour ce que je lui ai enlevé, mais la barre quand même. Voilà! Le cancer est passé! Maintenant, ce décès sera une promenade de santé. Jusqu'à ce qu'on arrive au boss. Ah non, mais c'est ça le problème, c'est qu'il fait extrêmement mal. Hein. D'ailleurs, en plus, c'est un pute. On voit rien dans ce truc. Alors, il y a des monsieur, il y a des jeux, je suis Groot là. Non, je sais pas, on dirait des espèces d'hommes arbres blanc. Salut.
Ah, vous êtes résistant quand même. Avec ce build résistant, ça veut dire que vous faites pas one shot. Ah, ne souffle pas de ce côté, donc ça sera un raccourci ça. Ouais, non, je me. Aïe! Alors, par contre! Voilà. Quand il y a plusieurs, c'est pas la même, hein. Des hérissons. Alors, ça serait bien si tu touchais. Mon perso qui touche pas. Alors ça sera la porte qu'il va falloir ouvrir. Aïe. Je dis aïe, mais en fait c'est de la merde. Ça m'a enlevé un pixel de vie. Je sais même pas qui c'est qui m'a frappé. Je sais pas. Bon, il y a un coffre. Voilà, pierre foudroyante. On s'en bat les steaks! Ah, va y avoir le PNJ qui se fait passer pour un pote. C'est ça. Et c'est littéral, hein, c'est vraiment un PNJ. C'est un envahisseur, enfin un PNJ envahisseur. Mais en fait, il se met en blanc, il fait genre: hé, hey, t'as vu, je suis un pote! Mais mec, j'ai invoqué personne. Feu! Ah bah on peut pas monter par là. Et comment tu sais? Bah il y a l'escalier qui est pété. Ça aide. Alors la question, est-ce que je vais réussir à faire le backstab du PNJ avant qu'il se barre? Et à le buter du coup. Oui. Ah merde, il se barre. Il se barre, il se barre, il se barre. Pourquoi tu vas là-bas? Voilà. Au moins il nous fera pas chier. Parce qu'il me semble que c'est lui qui nous piège avec Jabba le Hutt, je crois. Ouais. Donc du coup, bon, là il est mort, du coup il va nous laisser tranquille. En fait, si t'as ouvert la porte vers Jabba le Hutt... Alors par contre, je sais même plus d'où je viens. Oui, non, voilà, là-bas il y avait le feu et là maintenant... Voilà. Je regarde toujours s'il n'y a pas des portes dissimulées. Je regarde juste mon équipement. Non, ça va encore. Ouvrez les portes! Un autre.
Je crois qu'il y a deux, qu'il y a que Dark Souls 3 qui fait pas ça, hein. De recycler ses boss. Je crois pas qu'il y ait de boss qui se recycle à un moment. Tu penses à qui? C'est plus le concept en soi, mais c'est pas, oui, c'est pas Gunnir en soi. Ah oui, oui, oui. Attends, mais non, les hitbox de Dark Souls 2 sont pas buggés, c'est faux. Genre, le truc, la main ne m'a pas touché, mais. Allez, dégage. Anneau de guerrier d'ivoire, d'accord. Je vais débrancher ma manette parce que... Voilà! C'est ça le cancer des hérissons. Cette phase d'ailleurs, je pense que je vais la rusher parce qu'elle est chiante avec tous les géants et tout. Go to go fast. Ah non, c'est pas ça. Ah non, mais hérissons cancer. Alors, là, va y avoir des hérissons plus des géants. Ah, pas des géants comme le dernier géant, mais reste des gros mobs. Ah, raccourci. Un seul. J'en ai pas récupéré d'autres encore. Il y a juste celui qui, de lequel on revient par l'arène. Je me souviens plus comment. Je me souviens plus comment on y passe. Je crois qu'il y en a un qu'on peut atteindre via le chemin entre guillemets, ce que j'appelais normal, mais je me souviens plus. Franchement, cette zone c'est juste chiant à passer, si surtout si on doit la recommencer. Donc je vais la rusher. Hein. S'il y a une magie, je reviendrai. Hein. Ouf, j'ai. Aïe! Vous faites mal, monsieur! Vous pouvez arrêter d'avoir des grosses mains? Eh, hey, ça parle pas sur le chat, mais on est quand même on est toujours 4. Oui, oui, voilà, il réagit, mais je veux dire, de façon générale. Attends, c'est pas pour un chevalier ce chemin en fait ? Si, il faut monter. Comment ça, faut monter ? T'occupe pas des hommes. Monte la colline, il faut une de glace. Ah, on pouvait monter, j'ai pas fait gaffe. Voilà. On pouvait monter. Ah oui, putain. Oui, mais le pire, c'est que je m'en souviens. Tu me l'avais dit en plus la première fois, je me suis dit, hé, c'est un cul-de-sac. Et après, tu m'as dit, mais non, on peut monter. En fait, le truc, c'est que ça monte tellement que tu te dis que c'est pas praticable. Donc, du coup. Ah non, non! Pas les hérissons de chaos. Aïe. J'ai aucun scrupule, je rush. Hein, c'est bon, hein. Le cancer, c'est bon. Hein. Non! Oh putain, je me prends une chope! Voilà, je vais mourir.
Merci. Merde. Merde, 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 merde. Pas encore. C'est en cours. Le hérisson est teubé. Voilà. C'était le hérisson qui me faisait le plus peur dans l'affaire. Alors, le chevalier là, avec son bouclier, sa lance aussi. Faudrait que j'arrive à le backstab, mais le truc c'est qu'avec son pote, ça va être compliqué. Omren. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose là, non. Effigie humaine, d'accord. Non mais oui, pourquoi pas après tout. Et réveille-toi. Et deviens mon esclave. Alors, du coup, sur le chemin, il y avait des items. Je vais aller les chercher avant de retourner au fond. À la sortie. Quelle sortie? À quelle sortie, par contre? Ah oui, dans la zone, je veux dire, mais je pensais que tu voulais dire littéralement sur le chemin en fait. J'ai pas vu de. Ah, mais je l'ai pas vu. Non mais je suis un peu crevé donc j'ai pas les yeux en face des trous hein, forcément. Ah, yeah. Ah oui. Ah oui, du coup, ça fait un raccourci pour revenir. Oui, effectivement. Alors par contre, il va falloir que j'allume la lumière. Non, c'est bon. Bah elle est où la boule de neige? Je veux vraiment pas avoir les yeux en face des trous parce que là. Elle est là! Ok, elle est là. Ah, faut la frapper. Ça tombe! Voilà. Alors, par contre, faut trouver le troisième parce que je sais pas du tout, je me souviens plus du tout comment on y va. Je veux bien que t'ailles y voir hein, parce que je crois que c'était aussi le dernier qui m'avait manqué. Hein. Je sais que du coup la porte qu'on prend pour qui a derrière lui du coup nous ramène voir la reine, mais. Bah attends, déjà je vais retourner au feu parce que voilà, sinon j'ai plus de fil dessus. T'avais une pièce avec deux magiciens et deux gobelins. Ah oui, avec les deux gobelins gelés. Oui. T'avais une
Oui, non, ça y est, c'est bon. Oui, non, mais oui, ça y est. J'ai, oui, parce que du coup, j'ai pas pris ce chemin, parce que j'ai pris un autre la deuxième fois que je suis passé. Non. Oui, non, mais oui, mais je veux dire, quand je suis passé la deuxième fois, j'ai pris l'autre chemin et je suis pas retourné voir là-bas. Oui, ça y est. Oui. Il y a un chemin sur le pont là où j'ai vu monsieur Oscar avec une greatsword. Oui, j'ai pas repris le même chemin, j'ai pris un chemin que j'avais pas pris la première fois. C'est une nouvelle émote, ça, le cancer hérisson? Non, mais. Je sais pas, tu balances ça maintenant. Heureusement que je m'étais refait un stock de gemmes, quoi, quand même, hein. Je vais rusher. Gotta go fast. Salut! Non, je crois que ça se re... je crois que ça se referme automatiquement, je crois. Je crois que c'est les celles en métal, je crois qu'elles se referment forcément. Ouais. Ah non, mais les meilleurs fusils d'astuce, oui, c'est dans le 3, hein. Oui, complètement. Mais non, là, après, c'est pour... attends, je suis où, là? Oui, non, ça va, ok, c'est par là. Une torche, d'accord. J'ai déjà 3 heures d'autonomie sur ma torche, mais bon. Non, non, enfin à moitié. Par contre, j'avoue que j'ai aucun scrupule à rusher là. C'est des zones qu'on connaît déjà.
Non, c'est bon. Lancer du javelot. Voilà, on est revenu. C'est qui me suit le... C'est qui me poursuit, pourchasse Roger, hein. C'est plus le premier qui était un labyrinthe, hein, je trouve. Ah non, le deuxième, ouais, c'est le deuxième, c'est de la merde. Hein. Celui des flammes? Oui, c'est ce que j'ai dit, le deuxième, c'est de la merde. De quoi donc? Oui, oui, bah de toute façon, j'ai pas fouillé. De toute façon, ici, j'ai pas fouillé quand je suis revenu. Hein. C'est des chefs que tu peux quand même utiliser. Eh merde! Le con, le con, le con, le con. Allez, je reviens là, putain, abruti. Retournez au dernier feu. Et moi, je vais allumer la lumière. En fait, j'ai foncé tête baissée et j'avais oublié que l'escalier il était cassé. Je vois pas l'intérêt d'ailleurs, ça te fait juste retourner au feu pour si tu t'es go... Si t'as pas fouillé avant. C'est... Je vois pas... Ah oui. Alors ça, c'est une connerie de Dark Souls 2. Quand tu reviens à un feu via un os de retour ou un truc comme ça, ça ne te considère pas comme si tu étais reposé. Mais ça repose quand même les ennemis. Je me suis fait souvent avoir à avoir mes armes brisées à cause de ça. Je veux dire, mettre un pont brisé ou un truc sur lequel tu peux pas revenir avant un boss. Voilà, c'est, je vois l'intérêt. Mais juste dans une zone d'exploration, c'est quoi l'intérêt? Alors, je me débarrasse de toi parce que tu risques de casser les couilles. Si tu me pourchasses un peu trop. Alors, non, 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 non. Oui, les gros comme ça, je les one-shot parce que voilà. Déjà, ils sont faciles à one-shot. Déjà, pour commencer. Alors, cette fois, on fait attention. Donc, de pas aller en bas parce que du coup, c'est la suite. Ah, déjà, coffre. Non mais oui, intérêt zéro. Ça te fait juste retourner au feu, tu te forces forcément à retourner au feu de camp. Génial. Là, la petite sorcière en blanc est venue nous dire bonjour. Alors, je crois qu'il y a un monsieur chevalier d'élite. Ah, ce n'est pas toi dont je parle. Alors, je sais pas comment on fait ça, on enlève ce truc. Je pense qu'il doit y avoir un truc intéressant derrière. Exactement, quand je faisais Power Stance dans le 2, c'était toujours des armes. Plus rapide ? Ouais. Eh non, mais oui. Genre la Red Rust Sword, je crois. J'ai vu. Mais vu que je suis pas rentré là la dernière fois, bah, je regarde. Aïe. Hmm.
plus humaine, d'accord. C'était juste pour ça. Grande âme de héros, d'accord. De toute façon, Léon, grande âme de héros cérébré. C'est moi qui c'est juste moi qui sais pas lire. Genre, il y a un coffre tout seul et c'est même pas une mimique. Lance de foudre fragmentée. Ah. Bah on va continuer. Hein. Ah mais attends. C'est par où du coup pour avoir aller voir le chevalier de Loïs? Parce que du coup là en bas, ça m'amène à la suite. Enfin à la suite au trône de machine. Ah, au trône de machine, non, mais là où il y a... voilà, là on... je perds mes mots. Là où on récupère les yeux de prêtresse. Alors, il y a ça. Je sais pas du tout comment on l'enlève. Je perds la tête, mais pas mes âmes. De quoi donc? Donc c'était quoi le... là où il faudrait que... C'est où du coup, tu m'as dit? Est-ce que tu te souviens, il y a un moment tu grimpes en escalier et t'as une pièce, en fait au milieu t'as deux géants qui sont gelés. Oui mais je pensais que c'était par là en fait. C'est moi qui me suis trompé. Azuzual, on va rusher. Mais attends. Ah, c'est le passage avec l'échelle, je crois. Bonjour. Ah putain, ah oui, t'as fait deux, t'es passé 2 heures sur le stream de Jojo. Non, mais oui, mais c'est lui qui demande. Alors je vous assure, hein, je sais juste pas, je me souviens plus du chemin, c'est tout. Hein. Je sais où il faut aller, mais je sais plus où, c'est par où on passe. Je crois que c'est pas loin d'un autre camp, en fait. C'est possible. Ouais, non, là je retourne là où il y a... Deuxième camp, je crois, en arrivant dans le... Ouais, non, mais... Je vais revenir au feu de camp. Attends, wow, calme. Je vais me téléporter au deuxième feu de camp. Ok. Est-ce que t'as trouvé le camp en question? Je sais pas. Vas-y, tu continues. T'as pas dû le trouver parce que... Ouais, mais avec plus de précision, s'il te plaît.
me dire c'est au début du jeu, au début du DLC, ça va m'aider plus que ça. Hein. Bah en fait j'ai un feu de camp, tu sais quand je tombe, il y a une bâtisse, tu sais avec un plancher en bois, il est cassé et je tombe et puis j'ai un feu de camp. Non, oui, non, non, c'est pas celui-là. Ah bon bah on retourne au début. Il y a un feu de camp plus tôt. Ah! Ah, effectivement, il y en a un qui est grisé. Non, mais si! Si, attends! Non, si, c'est pas le deuxième, ça doit être le troisième pour moi. Ah, oui, ça m'a l'air d'être. Ouais, le troisième, je crois. Non, non, oui, c'est juste que voilà. Pour, tu croyais que c'était le deuxième? Non, c'est le troisième. Non, non, c'est ici, voilà. En revoyant les feux de camp, c'est vrai, ça me revient. Ouais, voilà. Je vois où on est. Voilà, c'est là. Alors, on évite de s'approcher. Bon, merde. Alors. Je sais, c'est pour ça que je suis pas resté dedans. En plus, elles m'ont suivi ces grognasses. Alors la mimique, on l'affronte pas à côté des géants. Alors pas à côté, on a dit. Alors, tu me vomis pas dessus déjà? Symbole d'avarice. Bon comme ça, si j'ai besoin de farmer. Bon bah ok. Ok, on y retourne. Il y a un objet là? Non, j'ai cru. Ah bah oui, non, bah oui, je suis déjà passé, donc j'étais en train de me dire, mais attends, si c'est pas un objet. Oui, mais non, mais on est déjà passé. Alors, on les attire. Le plus bas possible, s'il vous plaît. Ah mais il y a au moins un géant qu'il faudra activer parce qu'il y a un coffre. Putain mais viens. Je peux les détruire ? Attends. Je vais regarder mais... Je crois pas. Hein. Si, on peut. Si. Ah, par contre, en les tuant, du coup, ça donne une âme à l'autre. Mais bon, je l'ai buté. Hein. Mais non, si, on peut les buter, même quand ils sont inactifs. Je pensais pas, mais si.
Donc j'imagine que vu que j'ai donné des grands coups, voilà, c'est fait. Espadon courbé du néant. Pas les couilles. Ah! Alors, ils nous ont mis des ennemis juste devant des géants. Comment dire qu'on va pas les faire? Ou alors on va attendre qu'ils viennent nous rejoindre. Alors, il y a un objet au fond. Mais genre, il y a personne. Genre, il y a personne. Papillon ardent, d'accord. Ok, si tu veux. Je sais pas du tout si j'ai toutes les magies. Oui, un papillon ardent et c'est tout. Lève-toi et va affronter ton roi. Oui, c'est pour ça. Je vérifie juste qu'il n'y a pas d'objet derrière les géants. Oui, oui, ça te ramène dans la salle de la reine. Enfin, à côté. Il y a Jojo. Oui. Ah, ça aurait été bien de le faire avant. C'est ça. Je pense qu'on s'arrêtera sur le boss, hein. Comme ça, la prochaine fois. Alors, déjà, entre temps, j'aurai le temps de récupérer les magies que j'aurais éventuellement loupées. Et du coup, la prochaine fois, du coup, ça sera Nashandra, puis le New Game Plus. Ouais, par contre, le NG plus 2, on va tellement le rusher. Donc on dit merci d'abord. Merci, c'est surfait, de toute façon. C'est comme les fusions. C'est comme les fusions, c'est surfait. Alors, je veux juste voir un truc. Je me demande si je vais pas invoquer des PNJ. J'ai déjà fait en solo, hein, donc voilà. En fait, c'est pas le boss qui me pose problème, c'est la phase avant. Shay la brindille. C'est un archer, d'accord. Ou une archère, du coup. Ah, y'a que la première. Non, oui, en soi, le boss. Vraiment, le boss me pose pas de problème. C'est vraiment la phase où faut s'occuper des chevaliers d'avant. Oui, alors il faut pas pour moi. Il faut quand tu veux leur armure, mais sinon en soi. Et quand tu veux l'âme de la reine. Ouais, mais l'âme de la reine, elle donne rien, je crois. Non, mais elle donne des armes. Oui, mais en soi. Là, mon build est terminé, c'est techniquement. Hein. Je fais que rajouter des stats en plus. Hein. Alors, j'ai juste réalisé que j'ai plus de 100 000 âmes. Vous allez dépenser. Ouais. Voilà. J'aime bien Jojo. Donc on dit merci, putain de merde. Ah, mal poli. Enculé. Bon alors, Chanelot. Je pense que si tu veux te flinguer, bah on te dit pas bonjour. Hein. Généralement, tu dis pas bonjour à quelqu'un que tu vas buter. Hein. Bon, est-ce que les chevaliers vont me casser les couilles? Ah, déjà, c'est des malpolis parce qu'ils veulent te buter. Déjà pour commencer. Attends, je regarde juste mes anneaux. J'ai un clou collant anti plus 1, l'anneau de protection d'acier, l'anneau royal et l'anneau de lien. Ça serait marrant, un anneau de lien plus 1 ou plus 2.
Bon, là c'est parti. J'aime bien faire le coup de l'attaque tombante quand je fais ça. Et encore Jojo, vu que c'est la scolaire, du coup elle a sûrement été retouchée, hein. Bon. Il est venu le temps des rires et des chants. On peut les backstab les machins? Évidemment. Alors, c'est pour ça que je trouve ça cancer. Souvent, je suis focus. De genre. Sérieux? Déjà? Ah oui, non, non, oui. Non, mais moi, je pensais qu'il était mort. Je me soigne, s'il vous plaît. J'ai dit, je me soigne! Vous voyez pourquoi je trouve cette face cancer? Meurs! Ah, il y en a un, il va traverser une porte. Moi je l'aime pas parce que justement je sais pas d'où il vient en fait. Alors s'il y en a un qui pourrait aller voir la porte. Ah oui, le roi d'Ivoire, il peut venir même quand la dernière porte est pas scellée. Oui, non, hein. Il est stylé par contre. Il a une putain d'entrée badass. C'est tellement l'artoriage du jeu. Aïe. Alors j'aimerais bien éviter d'avoir les deux sur la gueule. Hein. Ah, surtout que j'ai le boss qui me focus. Attends. Attends. Mais... Faudrait que je bute le sbire. Et je me fais choper! Je meurs? Non. Ah, ça fait pas tant de dégâts que ça. Tu veux bien focus? Ça va, le sbire est mort. Il est rapide surtout. Et quand j'ai un pote aussi, c'est pas un problème. Merde! Le truc c'est que ça chope en fait, il met tellement de temps à la faire que tu l'esquives pas au bon moment. Alors j'aimerais bien, oui, que tu me combotes, que tu me combotes pas. De quoi? Et voilà, mon buffer first try.
Voilà, on a fini le jeu. Oui. Est-ce qu'on se fait Nashandra dans la foulée pour le coup? Comme ça, la prochaine fois que je lancerai le stream, on fera directement le New Game Plus. T'en penses quoi? Ah oui, c'est vrai, il y a Aldia, c'est vrai. Aldia, c'est pas compliqué en soi. Aldia, je risque surtout de crever pour, parce que je fais de la merde. Hein. Bon, je vais quand même parler à madame. Oui, bon, ça va durer 10 secondes. Hein. L'âme de Vendrick, pourquoi j'ai besoin de son âme? Oui, oui, certes, certes. Bon, de toute façon, j'ai buté le Dragon Rider qui était devant, hein, de toute façon. Oui, il est tombé dans l'eau comme un sac. Par contre, un truc, je me souviens plus. C'est dans la première ou dans la deuxième partie qu'il y a le tombeau de Vendrick. Pas le tombeau, mais là où il y a son âme. D'accord. Bon, bah après 45, je gagne quasiment plus de force. Non, mais je suis dans vigueur, abruti. Abruti. Non, c'est. Je sais pas pourquoi vigueur. En fait, vu que j'étais à 45 dans les deux, je me suis dit ouais. Attends, 1, 2. Ok. Ouais, on va faire ça. Puis comme ça, avant de faire le stream, j'irai chercher les magies qui me manquent. Je ferai quand même un récapitulatif pour être sûr que j'ai rien loupé. Et après, on fait Nashandra, Aldia, et puis on commence le New Game Plus. Alors, par contre, le sanctuaire d'Amana. Amana. Bon. Ah, par contre, quand le roi d'ivoire il m'a fait chop puis wombo combo, j'ai fait ah. T'es sûr que c'est dans la première partie? Je pense même que c'est après en fait. Je rush. Hein. Ah, quoique, j'ai peut-être pas rushé les Drake. Putain, il me défonce ma poille, ces sacs à merde. Dans ce cas-là, le problème, c'est pas les magiciens, c'est les Drake. C'est les archi-Drake. Au final, j'aurais pu venir directement à ce feu. Alors, on va s'y reposer quand même par sécurité. Le sel avec modération, j'avais pas eu. Là, pour le coup, on va rusher. Je sais plus exactement où se trouve le truc de Vendrick. Waouh, il y a le chevalier géant qui m'a suivi. De quoi? J'ai rien entendu. Il y a le chevalier géant.
Ouais, bah c'est pas grave, hein, j'utilise une effigie. Hein. Mais lâchez-moi, vous. Je vais mourir parce que j'ai toute la population qui m'a suivi. C'est bon? Pourquoi j'ai pas le droit d'utiliser? Bah non, je suis déjà humain. Bah oui, je suis con. J'ai utilisé une effigie avant le roi. Le mec, il a toute la population. J'ai Bagdad au cul. Âme du roi. Je sais pas, ouais, la chaise elle est toute seule en plus, donc enfin, elle est vide, je veux dire. Voilà. Armure du roi. Non, c'est un truc qui est bien dans le 3 par contre, c'est qu'ils ont pas mis à jour avec... Bah avec Scholar, forcément le 3 était pas sorti. Mais le fait qu'un os du retour ou le fragment des pieds torsadés te permet de revenir à l'Ichefeu aussi. Ça c'est pratique parce que t'as pas à faire le chargement pour retourner au feu, puis le chargement pour retourner à l'Ichefeu. T'es obligé de quoi? D'accord. Alors. Oui, parce que je crois que c'est avec les 4 couronnes en fait. Parce que c'est la couronne des 4 rois importants ou je sais pas quoi. Bon, bah on va aller voir Vendrick. Alors, juste histoire de pas se faire emmerder sur le chemin et de mourir comme un gros caca. On va péter la gueule au sonneur de cloche. Et parce que en stream, je crois qu'on l'a pas vu, mais en fait, il y a comment dire, il y a une limite au mec qui pop pour sonner les cloches. C'est juste que dans l'original, il y en a qu'un, alors que là, en fait, c'est un peu tricky, ils en ont mis plus. Alors déjà, hop, toi on t'écarte, comme ça on peut te péter la gueule sans risque. Voilà. Donc lui, il est mort. Ensuite, il y a lui qui vient, si ça sonne pas. Et ensuite, il y en a un qui sort de terre. Bon après c'est fini, mais c'est quand même. Voilà. Et maintenant on est tranquille. On va pouvoir aller voir Vendrick. C'est ça. Alors, j'espère que vous vous souvenez de Vendrick le zombie. Ça va pas être la même. Ah, il est déjà plus stylé, papy, hein. Déjà, il est pas à poil. Il était stylé, papy, hein, quand il était pas vieux zombie. C'est que le frère. Elle est belle, barbe. Oui. Free from death, left to wander, dark will again be ours,
true shape, we can bury the false legends of yore. Is this our only seeker of fire? Seek strength. Ah oui, c'est carrément une cinématique en vrai, quoi. En fait, on a tout. Ouais, en fait, une fois qu'il a fini de faire tous ces trucs, en fait, ça, on quitte la zone. Donc, alors, si je dis pas de conneries, maintenant, on a la bénédiction d'Ivenric, ce qui fait que pour ce playthrough, chacune des couronnes qu'on a, on peut mettre. Je crois qu'on peut mettre n'importe laquelle. Et en fait, ça, quand on meurt, on ne devient plus carcasse. Je regarde un peu les couronnes. Alors dans celle-là. Moi je mets celle du roi d'Ivoire en général parce que c'est la plus belle. Attends, je voudrais juste virer et mes épées parce que je vois rien. Ou alors celle de Vendrick. Celle de Vendrick, elle est où? Elle est là. Je préfère celle du roi englouti. Enfin, je trouve qu'elle va mieux avec mon perso. Et du coup, maintenant, on ne peut plus devenir carcasse quand on meurt. Voilà. C'est ça. Et du coup, je crois que quand on affronte Nashandra, du coup, notre vie ne descend plus. Enfin, je crois que notre vie descend naturellement à cause de l'influence, mais je veux dire, on ne peut plus être maudit à cause de ça. Parce que voilà, même quand on est invoqué par quelqu'un, on perd quand même de la vie, mais on n'est pas affecté par la malédiction. Et bah là, ça sera un peu la même. Du coup, faudra quand même faire gaffe à notre vie, mais on perdra pas de la vie max. Voilà. Ah, du coup, voilà, on aura fini le jeu. Alors, je vais quand même vérifier que je hors stream si j'ai pas loupé de magie. Je ferai un récap et du coup. Une fois sera fait, donc normalement demain on reprend, on finit Nashandra et Aldia et ensuite New Game Plus et ça sera un peu. Alors le premier Game Plus je vais pas trop le rusher parce que pour voir un peu les nouveautés, parce que j'ai jamais fait. Et par contre le New Game Plus 2 on le rushera à mort. Voilà, donc merci à tous ceux qui sont passés et je vous dis à la prochaine.